Ce live est pour vous remercier que... Ça se trouve, ils sont pas abonnés. Ça se trouve, c'est des gens random qui cherchent des lives pour voir des gens et ils nous connaissent même pas. Bonjour, Phoenix 28. Phoenix 28, bonjour. La 28 ou 2B 28 de... T'es aveugle, toi. Optique 2000. Toi, c'est l'orthophoniste qui t'attend. Toi, c'est le bégaiement qui est bien là. Alors, ok. Alors, ce live est pour vous remercier, que vous soyez abonné ou pas. Bah, surtout ceux qui sont abonnés. Hein. Bah, voilà. Ouais. Des 20 000. Oh, tranquille, voilà. Je vous sur YouTube. Donc, je vous suis sur YouTube. Du coup, je vous remercie. On vous remercie. Et on nous vous remercions. Avec le. Ok, si vous êtes sur votre portable ou sur votre PC, vous avez normalement derrière, c'était la vidéo des remerciements de 10 000 qui était au mois d'août. Ouais. Oui, orthophoniste, ouais. C'est ce que... Merci Phoenix. Respire, tout va. Ouais, tout va bien, ouais, mais sauf pour lui. Attends, lui. Ah putain, arrête, casse-toi, t'es le nabo là. Attends. Tu doutais, Parce que on va réduire un petit peu ça. Aïe, bidi bidi du pape da pape. Pour qu'on voit. Can you say hi to Brazil? I don't a Brasilia. Hi to Brazil. Brazil. Non, arrête. Arrête. Ah oui, 8. Vous savez pourquoi j'ai le seum que vous saviez 8. Oh, putain. Voilà. En fait, j'ai le seum parce que sur mes lives où je suis tout seul. On voyait Papy là maintenant, tu l'as caché. Super. Papy, c'est ton père quand même. Ah voilà, là on le voit bien. Ah oui, c'était pour toi. Sur mes lives, moi, de jeux vidéo, vous êtes beaucoup moins. Et ça me fout un peu le seum. Hi to Brazil. En essayant de mettre le. Bah oui, c'est ce qu'il demande. Est-ce que tu peux dire hi to Brazil? Hi to Brazil. Brazil. Tu peux parler aussi français, ça se trouve. Non mais Phoenix, ça se trouve, il sait même non, pas. Non, mais là, si c'est juste un high to Brazil. Je sens que je le maîtrise bien, le Brazil. Merci. Ah, bah voilà. Ok. De rien. Nothing. Le silence. Ah, le silence. Non, mais bonjour. Salut, Hélène. Tu la connais ou pas? Bah oui. Ah, ok. Elle m'a pris un de mes jeux. Je vends toujours mon jeu d'ailleurs. La sponsor par moi. Il faut parce que je le vends pas. Bah, il faut dire que je suis pas un vendeur. Non. Ah, mais c'est pas ton jeu. Bon, ok, alors pendant qu'il. Alors, c'est juste un live pour te remercier. On attend les résultats de dernier live pour le jeu. Alors, il y avait 80 vues, voilà. Non, il y a une personne qui a donné un chiffre qui était proche, et je crois que c'était Hélène. C'est quoi du dernier live? Ah, c'était pas pour moi, non, ok. Je crois que c'était Hélène qui avait gagné, en plus c'était Hélène qui me l'avait déjà pris. Donc, ben, tu auras un deuxième jeu, Hélène. Dans mon souvenir, c'était ça. Mais comme on a été coupé alors qu'on parlait... Ça sert à quoi d'avoir deux jeux quand on a un seul? Eh bien, peut-être qu'elle l'offrira à un ami. Oui, parce que tu avais dû dire 358, je crois. Et en réalité, alors l'histoire, le chiffre que j'avais choisi, c'était le 369. Alors, à la rigueur, la nouvelle question, c'est pourquoi j'ai choisi le chiffre 369 ? Alors, tu voudrais que je l'envoie directement à Laura, c'est ça ? De ta part. Non, mais c'est pas parce qu'on parle pas de tank débile que t'insultes pas les tanks, ok? Non. Oh, ben bien joué, Phoenix. Voilà. Et j'ai repiqué deux vidéos, là. J'en pique pas forcément, mais là, cette fois-ci, je les ai prises à des personnes qui parlaient, donc, de Tesla et du moteur quantique. Et...
Et donc, pour moi, c'est une des sources de solutions pour l'avenir de l'homme. Parce que c'est vrai que là, je vais faire une aparté de 2-3 minutes sur 3 vidéos que j'ai postées. Une sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et notamment cette drogue du zombie, et qui pour moi est une métaphore de ce qui se passe en ce moment. Donc vraiment des gens qui sont complètement... C'est une métaphore de tout le reste, hein, parce que même les autres sont bien touchés, mais c'est moins visible. Du mur dans lequel on se jette. Et d'un autre côté, je mettais de l'autre côté ce grand-père, si vous l'avez vu, qui se retrouvait en pleine campagne et qui faisait une petite communauté que les gens venaient là pour se retrouver, pour parler, pour discuter, un rapport à la nature, plus Tesla. Et ce qui me faisait dire que dans cette crise organisée, parce que pour moi, il n'y a pas de crise. La crise est juste organisée par les pseudo-élites. La seule solution pour nous, c'est d'avoir l'énergie libre. Et si on a l'énergie libre, ce que voulait faire Tesla, eh bien, on n'aurait plus de chaînes aux pieds, on n'aurait plus de boulets aux pieds. Et on n'aurait plus besoin de forcément faire un boulot oppressant, mais on pourrait travailler les uns pour les autres, ou en tout cas servir les uns pour les autres. Et c'est pour ça que j'avais choisi ces 3 idées, 2 idées positives plus une idée négative qui est où on va là. Et la solution, c'est-à-dire revenir à une forme de communauté choisie, des petits villages où les gens s'entraident, où sont plus proches les uns des autres, plus une énergie libre. Qui dit énergie libre dit donc que les gens ne sont plus oppressés politiquement, dans le sens le plus négatif du terme, de politique, par des puissances. Allez, je vais utiliser ce mot, maléfique. Voilà. On voit pas ton front. C'est pas grave. Au-dessus du front, c'est pas intéressant. Donc voilà. Pour voir ta calvitie. Ouais, je t'emmerde. Et donc voilà. Et c'était pour ça que j'avais choisi le 369, qui était son chiffre, pour lui le chiffre divin. D'ailleurs, pendant que tu parlais, dans mon rêve, c'était 3, 6. Alors, 369, ça veut dire 3 plus 6, ça fait 9. 6 plus 6. Non, ok, je me suis trompé dans mon calcul. Mais de toute façon, ça fait toujours 9. Ouais. Même 3, 6, 9, ça fait 9. 3 plus 6, ça fait 9. 9 plus 9, ça fait 18. Et 1 plus 8, ça fait 9. C'est le seul chiffre qui retombe toujours sur ses pattes. Ça va trop loin. Ah, le 9. Voilà, là, voilà. Si vous êtes toujours au collège, au lycée, à l'internat, je sais pas quoi, parce que j'y connais rien. Voilà. Voilà. Vous. Calcul avec un 9, 9, entre parenthèses, le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Voilà. C'est une blague nulle, je te redonne la parole. Non, mais c'est bien que tu aies tenté, hein. Il faut toujours tenter, hein. Eh bien, alors, Laura, tu me donneras ton adresse, hein, vu que ce sera finalement de la part d'Hélène. Ah, ça, c'est le printemps. Hein. Et tu sais qu'on t'entend pas. Oh, voilà. Mais je sais pas. Si on s'éloigne du micro, si on est comme ça, est-ce que vous nous entendez non, bien? Non. Si on met le micro à côté du PC non, que vous ne. Non. Je pose parlez, la question. Oh. Non, c'est bon. Si on est comme ça, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, c'est tout. Est-ce que vous nous entendez bien si on est comme ça? Même si il y a les voisins toujours aussi bruyants. Et la tondeuse qui est une tondeuse. Alors je sais pas si vous. Oui, on vous entend. Moyen. Ouais. Voilà. Bon bah tiens. Ah. Ouf. Aïe aïe aïe. Ouais. Ça grésille un peu. Ça grésille un peu. On n'est pas à la radio. C'est normal, c'est lui qui grésille. C'est un mec qui grésille beaucoup. Pas de bagarre, hein, c'est facile à dire. Alors, petite question. Non, en fait, je vais pas la poser, c'est dégueu. Ben, pose-la quand même, de toute façon, pour... Vous préférez les lives où... Bonjour, du Canada, enfin... Bonjour. Salut, Canadien. Salut, cousin. Du coup, est-ce que vous préférez les lives où on est tous les deux et on parle? Ou est-ce que vous préférez les lives où je suis tout seul à jouer? Voilà. C'est ton ego qui reparle, ça y est. L'ego qui parle. Voilà. Bah, à mon avis, c'est plutôt ça qu'il préfère, parce que... Ouais.
Parce qu'on voit ta tête. Ça, non, mais ça dépend des personnes. Ouais, ça dépend surtout des personnes. J'ai un problème aussi avec le fait que quand toi, tu es en live tout seul, souvent, on est en... Merci Phoenix de ne pas m'avoir exclu. Ou à trois, c'est peut-être encore mieux quand il y a papy Michel. Mais le problème quand il est tout seul et qu'il fait son live gaming, souvent TikTok, au bout d'un moment, il limite le live. Donc, non, mais de toute façon, on fera quand même des lives gaming comme ça le samedi. Plutôt, en général, le samedi une fois tous les 15 jours. Là, peut-être une fois, deux fois de suite. Là. Ouais, mais en même temps, c'est normal. Moi, à chaque fois que j'ai vu que ça intéressait des gens, ils avaient 16 ans. Oui, de toute façon, moi j'estime faire beaucoup de choses différentes. J'ai plusieurs axes d'attaque. Owen, lui, c'est vraiment le gaming. Et puis, quand on est avec Papy Michel, c'est plus sourcellerie, magnétisme, et peut-être aussi la vie, quoi, tout simplement. Donc, la vie en un live. Alors, moi, je vous avais posé une question sur une petite vidéo, très rapidement, pour vous remercier déjà pour les 20 000, parce que c'est vraiment flatteur et satisfaisant, vu que c'est un terme que tu aimes bien, satisfaisant. Quand tu es satisfait, c'est que c'est donc c'est satisfaisant. Donc à partir du moment où c'est satisfaisant de savoir qu'en faisant des... À part le gaming qui est quand même très bankable... J'ai vu une fois, j'ai donné une anecdote sur le gaming, 14 000 vues, aucun montage. C'est normal, parce que TikTok est quand même axé surtout sur les jeunes. Mais finalement, on s'en sort plutôt très bien à 20 000 personnes qui nous suivent, et même des sujets qui ne sont pas forcément axés sur des trucs très jeunes, très, très, très gamins, quoi. Eh bien, on fait quand même des très jolis scores. D'ailleurs, les plus gros scores étaient sur la sourcellerie, l'oral, le magnétisme et la vie. Et la vie, la générosité. Et donc, ma question est très, très simple. C'est si vous avez des suggestions sur des sujets qu'on pourrait aborder, développer un petit peu plus nos approches, parce qu'on aime beaucoup de choses qu'on présente pas forcément. Il y a des choses d'autres choses que j'aime, que j'ai pas encore présentées ou j'ai pas eu encore l'idée de présenter. Et avec Owen, avec mon père, on peut encore présenter d'autres aspects qu'on n'a pas encore présentés. Donc, mais si vous avez des demandes en particulier ou des formats ou des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas. Deuxième chose, et après je te repasse le micro, si vous avez un des idées de partenariat avec nous, n'hésitez pas, on peut faire des partenariats. Là, je sais que je fais déjà un partenariat avec 2-3 personnes, on a commencé et c'était relativement efficace. Une avec à distance par téléphone, c'est une personne d'ailleurs que vous avez peut-être vu, c'était lors d'un live, on a fait sa maison. Et depuis qu'on a débloqué sa maison, elle s'appelle Marilyn, depuis qu'on a débloqué sa maison, elle voit ses perceptions, on va dire médiumniques, se sont complètement décuplées. Et on compte faire des partenariats en live, en direct ou à distance en tout cas. Et une autre qui s'appelle Nathalie Numérologie. Avec qui on a déjà fait une vidéo il y a 2 semaines, la dernière fois qu'on était à Mably, où on a été dans une maison qui nous a bien touchés. C'est dommage, le live, on n'a pas pu le faire vraiment comme j'aurais voulu. C'est dommage, ça aurait été vraiment super intéressant dans ce cadre-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Owen, de faire que ça soit en live, qu'on ait les questions. Oui, qu'on ait des interactions avec vous. Alors, la question que je me suis posée, je ne sais pas si toi tu te l'es posée, c'est que pourquoi ça a coupé? Est-ce que ça a coupé parce qu'on était presque en pleine campagne ou est-ce que parce qu'après il y a eu des manifestations assez terribles 2 jours plus tard? Réponse, parce qu'on était en pleine campagne, voilà. Parce que se disait quelqu'un qui avait dit impossible de rejoindre le live. Oui, mais est-ce que c'était pas déjà à cause de ça? Parce que c'est dès qu'on est rentré dans la maison que ça a commencé à couper. Voilà, d'ailleurs... Et 2 jours plus tard, il s'est passé énormément de choses dans cette maison. Est-ce qu'on vous l'a dit?
électriques, des choses électriques et des choses mécaniques. Mécaniques, c'est-à-dire des tasses qui se sont retournées. Voilà. D'ailleurs, j'ai une idée débile qui peut marcher, voilà. Est-ce que vous... vous voulez qu'on continue le live, parce que après, comme habituellement dans les week-ends. Quoi? Mais tu vas pas parler du gaming des mains? Ah non, mais c'est pas du gaming, c'est qu'on continue le live au tennis pour vous présenter où on va et pourquoi on parle de baby foot. Ah non, moi si je voulais faire du gaming, je te l'aurais imposé. Alors oui, à la rigueur, c'est vrai que c'est une bonne idée, bravo. Je croyais que tu voulais parler encore du baby game. Attends, tiens ça. C'est vrai que comme en général quand il est là, même si là on a un problème avec le... Mais qu'est-ce que tu fais hein, pourtant, bon. T'as dit que j'ai une bonne idée. Ah bah, t'en as souvent des bonnes idées. Mais c'est... À la rigueur, on peut faire un léger... un live pour ça? Ou juste une vidéo? Est-ce qu'on peut continuer le live? Oui, mais là, on va le couper, parce que le tennis, là, ça, jusqu'à 18h, il va être pris par les cours, et bon. Ouais, mais nous, on n'a pas besoin de cours, parce que nous, on est des professionnels. Oui, mais on a besoin de cours de tennis, pour jouer. On n'est pas dans le top 500 mondial. Oh, ça commence à se remplir, plus de 10 personnes. Ouais, bon, on a 20 000 abonnés aussi, c'est normal. Bah, justement, merci pour les... Oui, on redit encore, c'est vrai qu'on aurait pu faire un texte. Ben, tiens, tu pourrais rajouter un texte. Merci pour les 20 000. Ouh. Tiens, ben, tiens. You. D'ailleurs, tous les Brésiliens, et bon, on comprend pas, c'est tout simple. N'hésitez pas, désolé si vous avez monté le son et que je crie un peu, enfin, je crie, je parle fort. Vous pouvez parler dans les commentaires. Voilà, merci pour les 20 000. Pourquoi t'as mis attends, désolé, mais là vous voyez pas, mais non, en fait. Voilà, on vous montre les coulisses, on va vous montrer les coulisses, donc je vais prendre la caméra et vous montrer un peu. Bah logique. Oui, mais... Bah tu veux présenter le... Bah, si, sauf si tu veux présenter... Comment tu ne parles pas portugais? Bah... Non, mais pas en public. On parle pas portugais en public. Parce que on fait... Non, arrête. Elle fait pas le ménage. Tu construis des murs, toi? Oui, il a fait beaucoup de murs. Oh, d'amour. J'ai fait beaucoup d'amour. Si vous avez quitté le live... Beaucoup d'amour. Si vous avez quitté le live cause de gênance, je comprends. Ouais, bah, moi, j'arrive à le supporter. C'est pas... Ah, tu veux mettre l'éléphant. Attends, c'est toi qui dis ça, tu fais 110 kilos. Oh. Ouais. Merci pour les 20 000. Abonnés. Merci pour les 20 000 abonnés. Donc, 20 000 pourquoi alors? Ouais, on reprendra ce clip vidéo et puis je rajouterai des petits trucs au milieu. Ouais, sauf que c'est marqué merci pour les 10 000. Oui, d'ailleurs, c'était à bientôt un an. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, même si vous vous foutez totalement, sur le clip, j'ai pas du tout la même de cheveux. Voilà. C'est passionnant. Passionnant. Hein. Qui s'en fout, lève la main, même si on vous voit pas. Mais tu parles polonais, non, portugais, aux précieuses. Ah non, aux tranquilles. Wow. Optique 2000. Humour. Ouais, tu comprends. Je suis désolé. Pas très bon humoriste, toi. Du coup, pas du tout. Voilà. Pourquoi j'ai. Pas du tout. C'est moi qui a besoin d'un orthophoniste après. C'est toi qui m'influence. Je parlais bien avant. Ouais, mais je tiens de toi quand même. Hein. Non, je ne te connais pas. D'ailleurs, qui êtes-vous, monsieur Santé? Non, ouais, vas-y, va là-bas. Ça, du coup, est-ce que vous voulez qu'on continue, je tiens de toi? Owen a cessé de fonctionner. Je tiens de toi. Ah, c'est finalement un enfant caché que qui se dévoile. Un petit frère, tu vois. Ou une soeur, je sais pas. Ou un grand frère. Ou un grand frère, je sais pas. Tripleg. Ah, ok, c'est un grand frère. Qui veut dire tripleg? C'est un grand frère.
I am from Canada. Voilà, du coup, est-ce que vous voulez qu'on refasse un live au tennis? Est-ce que vous voulez qu'on. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un live au tennis? Mais s'ils ont pas répondu. Ouais, mais toi tu me coupes! Non, non, s'ils ont pas répondu, à ton avis. Bah, ils peuvent mettre un gros nom aussi. Pas du tout. Y'a pas de pas du tout. Ah, mais comment tu ne parles pas. Non, non, c'est pour toi, pas du tennis, tout. Pas trop. Ouais. Mais non, c'est. Non, ok, j'ai rien compris. Non, je crois. Non, rien. C'est toi qui veux le tenir. Bref, ben voilà, c'était pour vous dire merci. Vous êtes marrants tous les deux. Merci. Et tu es d'où, Tripleg? Pourquoi tu es d'où? De quelle région tu es? Ou de quel pays? Ah, je croyais que tu es d'où, D-O-U-X, j'ai compris. Très doux. Oh, wow, j'ai un truc que j'ai oublié de vous montrer. D'ailleurs, pendant, est-ce qu'on vous montre les coulisses de la d'un live? Du live? Prof de français à la malle. Voici ce que mon père m'a acheté. Ah, mais elle s'est pendue. Oh. T'as pas dit qu'elle s'était pendue depuis ta. Hein? Your grandfather. Ah, voilà. Grandfather. Eh ouais, t'es mon grand-père. Mais non. Your grandfather, bah, is very cool. Tu as pas d'autres copains que. Alors, grand-père, ça va? Alors que t'es. Attends, mais. Ouais, ben, c'est un coup que je me prends dans la gueule. Et moi aussi, d'ailleurs, ça veut dire que j'ai pas d'amis. Non, ouais. Moi, j'ai 20 000 amis, ok? Ça, c'est quelqu'un de bienveillant, Chris Merlot. Ah ouais. Je le note. Ok. Personne n'a rencontré, non? C'est père et fils. Ouais, mais d'ailleurs, ça veut dire qu'il a dit que j'ai pas d'amis? Ouais. Mais je comprends que t'es pas d'amis, hein. Ça. Un peu là. Ouais. On peut rester dans le sujet. Alors le but, pourquoi j'ai pas d'autres copains que mon père, juste petite réponse que ça m'énerve les gens comme ça. Peut-être parce qu'on a fait un live père-fils. C'est pas très compliqué à comprendre. Non, mais tu sais, il y a des gens qui jugent sans rien connaître. J'ai 20 000 amis aussi. Le père, c'est le meilleur des amis. Po. Et pas le grand-père, hein. La rip, hein. Alors, Chris Merlin. On a 52 ans, ça commence à piquer, c'est vrai. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont parlé dans le chat, est-ce que vous êtes abonnés? Il essaie de fonctionner, son cerveau, c'est son meilleur ami. Tiens, vous voulez un Toblerone ou pas? C'est pas un placement de produit. Hein. Ok. Bon. Chris Merlot. Ça va pas où? Tac. Non, non! Si. Ah, bon. Pourquoi? Non, mais j'ai pas compris. Son cerveau, c'est son meilleur ami. C'est quoi? C'est pas du français en tout cas. Non, c'est bon. C'est oui. Son cerveau, c'est son. Je comprends pas. Et en tout cas, j'aime la complicité entre le. C'est, le père c'est et... gentil, merci. Pourquoi? Merci, Chris. Mais Quentin, pourquoi son cerveau, c'est son meilleur ami? Il a passé la sixième. Voilà, à mon avis, c'est plutôt primaire. Déjà son avec un. Non, mais c'est bon, on va parfaire parce que là, c'est vrai qu'il y en a trop là. Il y a trop de fautes à chaque mot. Donc, il n'y a pas un seul mot sans faute. Donc, merci Hélène. Bah, de toute façon, oui. Hein. Non, on est trop. Je me suis à vous dire top. Non, c'est vrai que là, c'est la première phrase que je vois sans, dire quoi, sans un mot juste. Sans un mot juste. Ben oui, mais là, je. Si vous parlez en arabe, alors là. Alors là, franchement. C'est même moi. Si vous écrivez en arabe. Alors en anglais, ça ira. Mais. Ouais, limite. Français, du vrai français, ça ira aussi.
Mais... Ouais, mais là, on va perdre des abonnés. Bon, à mon avis, il est même pas abonné. J'en sais rien. Mais là, c'est vrai que là, c'est la première fois que je vois une phrase sans un mot juste. On a cessé de fonctionner. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui parle pas français. Pour... Non, mais par contre, je sais pas. On peut cliquer dessus pour voir. Ah, c'est là. Traduire. Attends. Non, t'as pas traduit en live. T'as pas traduit. On peut pas traduire. Non. Dommage. Bref, bon, ben... Non, mais arrêtez de parler arabe, là, s'il vous plaît. On ne peut pas traduire l'arabe en direct. Mais tu peux pas voir avec ton portable. Mais non, c'est... on peut... Non, on le peut que... La personne demande ce que vous faites. Ah, mais en plus, tu parles l'arabe? Putain, mais Phoenix, t'es un puits de science. T'es un puits de science, toi. Non, ça se trouve, il a juste traduit. Ben, s'il a traduit, il a traduit comment? T'as traduit comment? Alors, ce qu'on fait... Bah non, il comprend pas le français, du coup. Peut-être avec la langue des signes. Traduit. Avec quoi? Bon, après, c'est vrai que... Owen a cessé de fonctionner. On n'est pas encore, des internationaux, même si on l'est un peu. Vas-y, je sais parler 25% d'anglais... 25% déjà? Putain, t'es fort. Eh ben non, on peut pas, là, sur le live, on peut pas. On peut pas, mais ouais, on est nickel. Alors peut-être que toi, tiens, je vais voir si moi je peux... Moi je peux parler 2% d'allemand, c'est mon minimum. Et merde, je peux même pas rentrer sur le live. Eh ouais, et moi j'ai pas TikTok. Moi oui. Oh, damn, bro. Toi tu peux traduire, nous on peut pas traduire. C'est, voilà, c'est, il est supérieur. C'est non ballot. Mais bravo, bravo. C'est ballot. 13 personnes sur le live, c'est pas un chiffre qui porte malheur, ça, normalement. Phoenix, moi non plus, je peux pas traduire. Ah, hey, bah. Phoenix, c'est un hacker. Oh, Phoenix, que caches-tu dans ta manche? Une paire d'as? J'ai pas capté, là. 15 personnes, ouais. Alléluia. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions, hein. Bah ouais, hein. Parce qu'on est là pour ça. Ah, mais Laura, ça m'étonne pas, Laura. Donc, n'hésitez pas à poser le max de questions sur n'importe quel sujet, voilà. À faire des propositions. Ouais. Alors, ou à dire de continuer quelque chose qu'on a arrêté, monsieur. Alors, où on sera à fond à 3, voire beaucoup plus... ça sera du 15 juillet au 15 août, parce qu'on sera à Mably pendant un mois. Attends, je vais juste essayer ce qu'il a et dit. Et là, non, on peut pas. Ou alors, essaye, clique droit, simplement. Clique droit. Non, clique droit. Non, ça fait rien. Non, ça fait rien. Ésotérique. Je sais que je peux traduire sur... Ouais. On peut faire un clic droit sur les textes qui sont... Je vais écrire un truc et je vais voir s'ils peuvent traduire. Bah s'ils peuvent le faire dans ce sens-là, ils peuvent le faire dans l'autre. Ah ouais, 16h16. Oui, bah tiens, 16h16. Ouais. Spécial pour Eau Tranquille. Alors là, ce que je vais écrire, c'est une dinguerie. Écris-le en français. Non. Pourquoi vous parlez... Ah oui, je l'avais déjà fait. Pourquoi parlez-vous arabe sur cette émission en direct? Ouais. Alors, essayez de traduire ça. Alors, 16h16. Les guides vous indiquent ici que vous devez vous préparer à partir au galet. Au galop. Foncez droit devant pour sans vous retourner. Une course folle et trépidante. Cette course, vous devez la faire seule afin de prendre conscience de votre évolution.
16h16 annonce une distance prise avec vos proches, vos amis et vos collègues. Trop de trahison résonne encore dans vos cœurs, il vous faudra du temps pour guérir cette blessure. Tel un étalon puissant et orgueilleux, vous allez évidemment avoir confiance en vous suffisamment pour déménager, recommencer votre vie et à l'autre bout du monde. Terminez les états d'âme, vous vous fixez votre renaissance comme ligne d'arrivée. Alors il y a plein d'autres trucs. Alors l'ange de 16h16, c'est Akamia. Peux parler? Il représente l'univers et la loyauté. Il insuffle la grandeur d'âme. Il est la clé de la dévotion et il vous dote d'un altruisme considérable. Qu'est-ce que c'est altruisme? Du coup, je voulais dire, j'avais eu. C'est Dora. Eh ben, Dora. Non, en gros, j'ai vu ça dans une vidéo sur YouTube où en gros c'était une femme qui était un peu. Je suis Dora. Eh ben, enchantée, Dora. Mais non, mais c'est moi qui ai écrit ça en allemand. Ah merde. Ouais. Et en gros, j'avais eu des cours d'allemand. J'avais eu des quelques cours d'allemand en CM2. Et dans mon, je croyais que Guten Tag, ich bin Dora, ça voulait dire salut, je m'appelle Dora. Mais bon, voilà. Et j'ai vu ça dans une émission où en gros elle disait salut, je m'appelle Dora, donc bonne journée, je m'appelle Dora, dans toutes les langues voilà. Et il y a un passage, ce que j'ai dit, ça voulait dire, elle avait dit Guten Tag, ich bin Dora. Ok. Il y a des moments comme ça où on se sent seul. Juste monte ton crâne. Je t'emmerde. Et altruisme, c'est partage. Non, mais en plus, c'était pas à toi que je posais la question, c'était à lui. Parce que lui, il fait le malin. Et je voulais savoir s'il allait me dire au moins ce que c'était l'altruisme. C'est savoir donner aux autres sans attendre rien en retour. Et pas ramener toujours sa tronche. Hein. Ok, alors, enlève ton bras. Reste aux Françoises. Françoises. Reste aux Français. Guten Tag, ich bin Dora. Alors, attends. Ok, donc je vais vous montrer les studios. Bah, le studio, putain. Studio hyper élaboré. Même le studio d'effets spéciaux ILM. Et là, vous ne l'écoutez pas parce que je suis en train de masquer. Tu vois comme je fais bien la beatbox. Donc là, vous avez Monsieur Propre. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Ici, on a le PC, parce qu'il y a une fois, j'ai fait un live jeu vidéo et quelqu'un avait dit que c'était un PC du CDI. Donc voilà le PC du CDI. Donc ça, en fait, c'est une boucle à l'infini. Hein. Voilà, donc ici, on a tous les paramètres. Voilà ce qu'on voit. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio live ou le live studio de TikTok, voilà. Voilà, on a l'APC Gamer qui m'aide dans toutes mes parties de War Thunder. Et puis, avec le tapis. Le super tapis de combat. Qu'on a photo tirée de la vidéo sur les jeux vidéo. D'une vidéo qui m'avait pris beaucoup de temps à monter parce qu'il y avait beaucoup d'images d'archives. Ah merde. Pardon. C'est pas tout à fait la même beatbox. Hein. Vas-y, fais-toi. Oh putain, ça s'est enrayé. Ok, vas-y, à moi. Qu'on nettoie le micro. Ah, oh, mais c'est dégueulasse! Ah oui, c'est bien cherché, ouais. J'ai même vomi dedans. Super. Ok. Arrête de filmer comme ça. Moi, je vois l'image qui est là en plus. Attends, là je suis sérieux, je rigole pas, ok?
Voilà. Bon bah bref, c'était la version beatbox de Doreen. Doreen et... On sent la poire. Bon, on a perdu Fabrice et Owen. Ah, on voit ton gros crâne. Monsieur propre. Bon, on a perdu Fabrice et Owen. J'ai plus d'oreilles. Attends, tiens ça. Pour Tripleg, je vais faire un hommage. Qu'est-ce qui s'est pris en plein cœur, c'est ça? Relève-toi, putain. Je vais péter, les jambes. Oh, bien sûr, les jambes, elles sont là-bas. Alors, il y avait une question de... Pute. La question du Schmilblick, c'était où? Il n'y a pas de question, toi. Tu veux une question, là? Il n'y a pas de question. En tout cas, la question, elle est où? Attends, oh tranquille, pourquoi elle a dit en effet? La question de Phoenix, donc c'est avant. Phoenix, comment débloque... Ah sais, ah oui, ben... C'est quoi, ésotérique? Ben... Alors, pour Phoenix, pour te répondre, j'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Mais si je dois te répondre en un mot, ou peut-être une phrase, simplement, eh ben, il faut lâcher prise. Faut vraiment lâcher prise. C'est vraiment... La base, te dire que... La, tu peux, quand on parle... Bah c'est pas lâche prise. Ouais, mais tu m'écrases la main quand tu te fais... Ça me, et, moi, ça, et moi, je lâche plus prise. Quand non, c'est simplement essayer d'oublier tout ce que tu as appris. Parce que la réalité... Et là, on a vu un truc tout à l'heure tiré du fabuleux film 1984, ou du livre... Et ça tout à l'heure. 2 plus 2 égale 5. Voilà. Non, ça fait 22. 2 plus 2 égale 5, c'est un petit peu comme ce que j'avais mis à un moment. J'avais mis une photo d'une patate et je disais ceci est une carotte. Voilà. Et c'est. Avec un œuf, si vous voyez autre chose, vous êtes un complotiste. Parce que t'avais mis, j'en suis la même vue que toi. Regarde, tu vois, il y a quelqu'un qui. Voilà. Petit, laisse faire. Bon, non. C'était mon crâne, franchement. C'est juste. Arrête de te faire remarquer. Ok, je te laisse pas. Non, mais tu peux revenir. Ça. Écoute, non, c'est juste. Regarde quelques vidéos. Regarde la chaîne. Il y a une chaîne qui est très très bonne qui est sur YouTube qui s'appelle Tistria. Tiens, je vais la taper. Tistria. J'en ai fait la promotion auprès de bien des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes. C'est une chaîne vraiment très intéressante sur YouTube où il y a beaucoup à choper là-dedans. Et notamment ils sont tous bons, hein, mais il y a deux docus qui sont vraiment pour moi, au-dessus des autres. C'est La puissance de l'intention. Alors, je tape avec une main et j'ai du mal. Hein, La puissance de l'intention et En conscience. Ah, mais non, mais moi je vais au collège, hein, c'est juste que là je suis mon père. Et En conscience. Et
Là, de toute façon, il faut vraiment que si tu veux vraiment, et on est vraiment dans la période d'éveil, hein, on est vraiment dans une période d'éveil, il y a ceux qui, c'est maintenant ou jamais. Et là, je pense qu'après, bien sûr, ça continuera. Mais si tu veux aller à 200 à l'heure, apprendre les choses à 200 à l'heure, ouvrir tes perceptions à 200 à l'heure, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une personne qu'on a aidée, mon père et moi, en d'octobre et qui reste une bon ça devient quasiment une amie maintenant on va même dire une amie hein. Et elle a des perceptions maintenant terribles terribles alors qu'avant elle savait qu'elle en avait mais elle les maîtrisait pas beaucoup mais depuis qu'on a travaillé sur sa maison elle m'épate vraiment mais c'est aussi vraiment abandonner le petit être que l'on est ici dans ce passage ici pour rejoindre l'être que l'on est dans tout notre parcours éternel de vie. De vie, mais je parle pas d'ici, hein, de vie, dans l'éternité d'âme, on va dire, pour être plus précis. Je sais pas. Je sais pas si je te l'avais pas envoyé, Hélène? Et dans La puissance de l'intention, il y a un truc que j'ai repris, parce que l'idée, elle est, pour moi, l'idée, elle résume beaucoup, 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 beaucoup de choses. Dedans, il y a un moment, Laurent Lévy, qui est un mec assez extra, qui dit il faut arrêter de croire ce que l'on voit et de se dire qu'à un moment, il faut partir dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire de se dire je vois ce que je crois. Et si tu changes ça, tu as tout compris. C'est-à-dire que faites cette expérience même dans la rue dès maintenant. Vous allez dans la rue et vous vous dites de toute façon, tout est pourri. Eh ben, vous allez regarder que tout ce qui est pourri. Si par contre vous vous dites ah, l'amour, 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 et vous allez voir que des amoureux ou que des cœurs dans la lumière, dans un reflet, dans une onde, des trucs comme ça. Et croire ce que l'on voit, c'est se mettre des. Et là, c'est une deuxième idée, mais là, je l'ai trouvé il y a peu de temps, là. Du moins, c'est pas que je l'ai trouvé, c'est l'exemple que j'ai trouvé et que je trouve magnifique. Et a priori, il est confirmé, c'est quand vous avez des émotions qui vous viennent régulièrement, colère, frustration, ou alors bonheur, joie, etc. Toutes ces frustrations, ou toutes ces, pardon, ces sensations, tous ces sentiments génèrent en vous des vibrations, des énergies. Et ces énergies, ben, je vais le dire, je vais y aller directement. Ces énergies attirent des entités à vous. Et ces entités viendront vers vous. Donc si c'est du positif, ben c'est mieux, parce qu'elles viendront à vous, elles se colleront à vous, et elles se nourriront de votre énergie, et vous pousseront à régénérer la même énergie. Alors si c'est le bonheur, elles seront collées à vous, elles vous pousseront à générer le bonheur sans arrêt. Si c'est quelque chose de négatif, elles vous pousseront à avoir... toujours les choses en négatif, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il y en a qui se finalement tourneront dans la dépression, tourneront dans la colère, dans la haine, et ça c'est super important. Je vois ce que je crois. Bonjour le complotisme. Ah bah Ça se trouve, il fait des alors blagues, hein. eh ben je sais pas si c'est du premier degré ou de deux. Je vois ce que je crois. Eh bien, je ne sais pas si c'est du premier degré ou deuxième degré. Là, à toi de me dire si c'est une blague ou si c'est sérieux. Parce que là, moi je suis un complotiste. Hein, et là, je le revendique haut et fort. Hein. Donc, c'est-à-dire, et comment étaient appelés à l'époque les complotistes en 40, hein, du moins comment étaient appelés pardon, les résistants, des complotistes. Donc, voilà. Ah ben, de toute façon, d'où l'amour. L'amour, si tu génères l'amour, je pense et je le crois, et je le crois de plus en plus, hein, ça va te coller à toi des entités qui vont se nourrir de l'amour que tu génères. Et ces entités-là vont te pousser à créer encore plus d'amour. Et ça, c'est... Ça, j'en suis persuadé, convaincu. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est pareil pour tout le reste. Si vous générez de la frustration et je vous dis de la dépression, vous allez nourrir des entités qui vont se coller à vous et qui vont générer de la colère
ou la frustration, ou de la dépression, ou quoi que ce soit. Voilà. Autrement, en ce qui concerne Owen, je l'ai une fois tous les 15 jours du vendredi soir jusqu'au lundi soir. Oh, jusqu'au dimanche soir. Est-ce l'amour universel? Bah, de toute façon, moi, il y a une idée que j'ai déjà depuis pas mal d'années. J'ai 52 ans. J'ai eu le temps d'expérimenter pas mal de choses. Bah, je pense que j'ai peut-être encore la chance d'en expérimenter encore beaucoup d'autres. Mais mon résumé pour l'instant de ce passage ici, sur Terre, en précisant que je ne suis absolument pas chrétien, même si notamment sur Facebook, je suis approché par énormément de catholiques et chrétiens, voilà, parce que je développe peut-être une idée qui rejoint une religion, mais je ne suis pas dans ce sens-là. Mais moi, mon résumé de ce passage ici, nous sommes venus ici pour expérimenter la vie et notamment pour expérimenter l'amour dans son sens le plus large possible. L'amour, ça démarre par le fait déjà d'aimer vivre l'instant présent. C'est ça l'amour. Et après, d'aimer qui l'on est. Et après, comme on aime qui l'on est, on a plus de plaisir à l'offrir aux autres. Voilà. Donc, et les autres le sentent, donc viennent vers nous. Mais pour moi, ça part vraiment de cette première étape, j'aime ce que je vis. Ou en tout cas, je favorise les choses pour vivre et aimer ce que je vis. Après, finalement, comme je suis en résonance avec ce que j'aime, ben, je m'aime très correctement et je ne parle pas d'égocentrisme, parce que l'égocentrisme, pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. On dit que c'est quelqu'un qui s'aime trop. Non, c'est faux. On n'est pas égocentrique si on a suffisamment d'amour en soi. On est égocentrique si on n'a pas assez d'amour en soi. C'est comme un petit mot, mais rapide, hein, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, ce sont des coquilles vides. Les pervers narcissiques sont des coquilles vides. Et comme ils ne savent pas donner l'amour, ils n'ont pas d'amour en eux, et c'est une coquille vide percée, donc ça coule, eh bien, ils ne sont pas capables de générer de l'amour, donc ils essayent toujours de voler, de vampiriser l'amour chez les autres, mais finalement, ou de réduire finalement les autres, parce qu'ils sont dénués de ça. Mais là, je me suis un petit peu perdu, comme j'ai l'habitude de me perdre, hein, mais c'est pour ça que si vous favorisez les choses pour être dans un environnement qui vous plaît, dans une situation qui vous plaît et dans un état qui vous plaît, vous allez être en résonance parfaite avec vous-même. Vous allez générer autour de vous des gens qui... Alors, je ne sais pas précise pour le ça sent le vécu. Moi, pervers narcissique, absolument pas. Je suis trop fier pour être un pervers narcissique. Parce que je trouve que c'est comme ma théorie sur les losers. Je suis trop fier, moi, quand je rentre sur un terrain de tennis, je suis trop fier pour tricher. Et moi, je veux gagner parce que je veux être le meilleur. Et si je perds, je perds. J'aime pas, hein. Mais si je perds, je perds. Pour moi, un pervers narcissique, comme un tricheur, c'est quelqu'un qui avance perdant. Il a déjà perdu par avance. Ah non, ça aurait pu être ça, mais juste pour dire que pour moi, moi je pense que les vrais gagnants de notre époque, ce sont ceux qui n'ont aucun masque, qui avancent vraiment complètement démasqués, qui osent pleurer. Ben, moi j'ose pleurer. Hier, on a vu ensemble Whale, que je voulais voir depuis un moment, Baleine, hein, moi j'ai chialé devant, hein, forcément, ça m'a beaucoup touché. Je vous le conseille, c'est un film très intéressant. Et Owen aussi, qui d'habitude arrive à se retenir, il chiale moins que moi, et ben il a chialé lui aussi. Non, mais de toute façon on est venu là. Oui, c'est ce que je voulais dire, parce que j'ai l'habitude de me perdre. Hein. C'est que j'aime bien me perdre. En général, quand je vais quelque part, j'aime bien y aller au feeling parce que c'est là que je vais à la rencontre des choses. Voilà. Parce qu'on ne se perd jamais vraiment si on a confiance en l'avenir et si on a confiance et conscience de qui l'on est. On ne se perd jamais vraiment. L'expérience, oui, triplex, t'as quel âge? Alors, Phoenix, le monde est égoïste, peut-être, mais peu importe.
L'important, c'est toi, est-ce que tu l'es? Plus, et je peux dire que c'est con ce que je vais dire, mais pour moi, c'est une réalité absolue. Plus tu donnes, plus tu as. Parce que ce que tu, c'est pas du matériel, c'est bien au-delà du matériel, c'est beaucoup plus fort que ça. Quand tu donnes vraiment quelque chose qui est de toi, du vrai, ça te revient. J'ai des gens qui me reviennent de 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 ans en arrière et qui reviennent vers moi maintenant pour me dire, ah, t'as toujours été comme ça, t'as toujours été comme ça, et on sait, t'es une référence parce que tu ne transiges pas avec qui tu es. Tu ne transiges pas avec qui tu es. Voilà. Et je ne transige pas avec qui je suis. Je suis. Et je ne me plierai pas aux règles de quelqu'un qui si, et, ou alors je très difficilement. Vraiment, pour le boulot, j'ai fait quelques petites, mais vraiment très légères. Mais l'énergie que l'on dégage fait que sur le plan visible et invisible, on a des résultats assez rapides. Assez rapides. Et même si au départ, on se fait tester, c'est-à-dire que on se fait tester sur. Ah oui, tu dis que tu es quelqu'un qui aime les gens, ouais, ben vas-y, je vais te balancer des gens qui sont méchants, des gens qui sont cruels, des gens qui. Eh ben ok, on va avoir de la colère, on va être dans ce sentiment d'injustice qui va faire que. Eh ben que oui, on va moins aimer. Mais après, on revient. C'est pas parce qu'à certains moments on a la colère qu'on doit rester dans la colère. Ceux qui restent dans la haine sont foutus. Alors moi, oui, moi j'ai souvent la haine, mais sur des trucs complètement débiles. Les jeux vidéo, par exemple. Et un peu au tennis, quand j'estime que j'ai un bon niveau, je parle dans le jeu, vraiment, c'est plus de l'ego qu'autre chose. Alors que je ne l'ai pas sur des choses terriblement graves. Donc cette colère. Ou si. Mais bon, ça, on va pas parler de ce qui est au sommet de la France et puis au sommet du monde. Parce que là, on a regardé un sujet sur le satanisme, mais bon, peut-être que c'est de cet ordre-là, mais là, c'est un autre sujet encore une fois. Ce qui fait que vous voyez, on peut partir un peu dans tous les sens. Hein. S'il y a un message que je veux vraiment communiquer, c'est vraiment que l'énergie que vous allez développer dans un sens en particulier, c'est-à-dire peut-être vos failles hein, à certains moments, si c'est vous êtes sujet à la colère, vous êtes sujet à la dépression, vous êtes sujet à quoi que ce soit, si vous. Ah, là, pardon, pas la dépression, la déprime. Vous allez générer des énergies qui vont attirer tous les éléments, et moi j'appelle ça aussi des entités, parce que ce sont, qui vont se coller à vous parce qu'elles vont se nourrir de ces énergies et qui vont au contraire vous encourager à continuer à leur fournir cette énergie. Alors essayez de comprendre ce principe, cette mécanique, et de vous dire que à partir de maintenant, eh ben oui. Pourquoi je générerais pas du positif? Parce que là aussi vous allez avoir des entités qui vont se coller à vous. Mais qui vont vous encourager à générer du positif, à générer des sentiments positifs. Et ça, c'est une théorie que j'expérimente déjà depuis pas mal de temps. J'ai encore mes failles, hein, je vous ai dit, notamment dans les jeux vidéo, je peux avoir des colères monstres parce que, voilà, parce que je trouve que c'est voilà, pas de bol, tout comme ça, mais bon, c'est complètement débile de ma part. J'ai encore à progresser dans ce domaine-là, mais sur des points hyper essentiels, plus importants, je me pense plutôt pas mal, mais on a tous nos failles. Après, il faut bien se dire qu'on est venu ici pour expérimenter, hein. Vraiment pour expérimenter. Et dans ce grand combat, c'est ce que je voulais dire au tout départ, mais finalement je suis parti dans tous les sens, hein, de l'amour versus la peur. Il n'y a que deux clans, à chaque instant de votre vie, il n'y a que deux clans qui s'affrontent et vous partez dans l'un ou dans l'autre. Et soit vous allez dans la peur, c'est-à-dire la peur de
La peur de faire quelque chose parce que vous allez être ridicule, ou alors parce que vous allez être seul, parce que vous avez peur de quitter quelqu'un qui vous fait du mal, parce que vous allez vous sentir seul, et puis vous savez pas ce que c'est que de vivre seul, et puis que vous savez pas, vous allez peut-être tomber malade, alors peut-être que ce que BFM dit, c'est vrai, finalement, vu que BFM n'est qu'une source de peur, hein. C'est peur, 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 peur. C'est ce qui fait leur beurre. Voilà. Je vais faire une chanson bientôt, là, avec toutes ces rimes. Donc, non, non, alors que l'amour, c'est ce qui vous met en adéquation avec vous-même, d'apprécier hein, le reflet du soleil sur un mur ou sur ou je sais pas quoi, ou l'amour, ou d'un aliment, de quoi que ce soit. Voilà. C'est. Soit vous êtes dans la peur, soit vous êtes dans l'amour. Et je pense que si vous subissez la peur, si on subit la peur, on est mort. C'est là, parce que dites-vous bien que si on subit la peur, on est un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. Hein. On ne réagit plus, on se laisse écraser. Et c'est pour ça que quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur vous, que ce soit un État ou sur le plan particulier, il vous fera peur. C'est tout. Ah, t'es parti où, toi? Owen? Bah tu reviens là, c'est bon. Oh là, tu te vexes pour rien. Allez. Allez, viens, ballot. Bah, tu t'assois. Salut, c'est Greg. Allez, tiens, j'ai. Si vous avez d'autres. Eh ben, tu vois, moi je pense que si. Le reflet du soleil sur un mur, ça fait des ombres et ça vend du rêve pour moi. Quand le mur, par exemple, des briques jaunes du sud, Bon, viens c'est voir. voilà, c'est sympa. Et pourquoi je disais ça? C'est parce que il faut savoir, avec un minimum, un truc tout simple, quand t'as pas d'autre chose à porter, te dire, putain, c'est beau. Même quelque chose de tout simple. Voilà. La satisfaction à partir de rien, pour moi, c'est la solution à tout. Allez, j'ai fini mon J'ai rien à dire, moi. message. Ben si, tu vas apprendre. Allez, tiens, allez. Tu vas. T'abuses. Non, là, c'est toi. Attention. Allez, à toi. Moi, je vais faire un autre café. Voilà, c'est bon. Alors. Ouais, allez, salut. Non, je veux pas dire au revoir comme ça. Comment on dit au revoir déjà? Ah oui, tiens, tu donnes pas la réponse. Quel est le groupe qui fait cette chanson? Quoi de beau Owen? Bah depuis 20 minutes, rien. Du coup, c'est quel groupe qui chante ça, même si vous avez mal entendu, voilà. Non? Ton père a de bonnes idées. Pourquoi? Un. Ok. Adieu, goodbye, Aveden. Je fais pas plus loin. C'est un groupe. Tout va bien pour moi, Owen. Bah, j'ai été abandonné par mon père, par Ah un ouais? abonné. Et voilà. Adios. Non, c'est adieu. Adieu, goodbye, Aveden. C'est un groupe qui a été connu, je vais donner un gros indice, hein, qui a été vraiment lancé en étant repris dans. Espagnol. Non, pas un groupe espagnol. Mais. Donc ils ont aucune chance de deviner. Non, si, je vais donner un gros indice pour les cinéphiles. Il a été repris dans. Une des chansons. Non, deux des chansons ont été reprises par un très grand réalisateur. Ah!
Je crois que Phoenix a la réponse. Par David Lynch. Dans. C'est Lost Highway. Lost Highway, oui. Mais là, il y a déjà deux gros indices. Et depuis, c'est le groupe le plus connu de ce pays, internationalement parlant. Après, il faut aimer, parce que c'est un groupe de genre. C'est pas de la variété, toche, quoi. Vraiment. Je veux un Do. Toblerone, non? Do hast. Do hast mich. Que qui devine, quoi. Mais bon, Phoenix, il doit connaître quand même. Tokyo Hotel. Ouais. Bernard Menez. Oh, jolie poupée. Sur mon doigt coupé. Non, c'était un acteur qui avait fait une chanson. Bah d'ailleurs, si vous regardez le clip, il est pas mal du tout, hein, franchement. J'aime beaucoup. Bah, j'aime bien toi aussi. Ils sont quatre. Je crois qu'ils sont plus, ils doivent être six. Hein. Ils doivent être six, je crois. Quand je regarde le clip, ils ont fait deux clips il y a. Ah ben, ok. T'as triché ou pas? Tu as triché, Laura? Bah regardez le clip Dutchland. Eh ben oui, parce que c'est vraiment le seul groupe qui cartonne, quoi. Allemand. Et le clip Dutchland est vraiment très, très osé parce qu'il tape à fond sur l'Allemagne, quoi, et sur ce qu'ils ont fait. Il dit la vérité. Hein. Mais se faire traiter de groupe nazi alors qu'il condamne le nazisme, c'est ça qui est assez, assez drôle. On a un peu Trop tôt. Ah, c'est deux plans. Ah ouais, mais je crois que je vais me faire chier si je veux mettre le live. Si tu mets du son là. Si tu mets du son, enlève, ouais. Parce qu'ils vont me faire chier après. Ouais, je vais être obligé. Que je vois un peu les règles parce qu'autrement ils font chier quand on met un peu de musique. Bon, ben, je crois qu'on a fait peut-être le tour, non? À moins que vous ayez des questions. Alors, tu me donneras ton adresse, hein? Merci à vous deux. Allez, Eh salut ben, là. merci Fen. Yes. This is Elon Quand je dis Fen, faut pas confondre Phoenix et Fennec. Musk. Toi là. Oui, mais qui ne tente rien. Hein. On a compris. A compris quoi? Non, là tu le surestimes, Triplegne. Compris quoi? Ouais. Owen comprend. Ah ouais, j'ai compris moi. Attends, attendez juste une seconde. Là vous me voyez pas. Là vous me voyez. Oh, Moi je me surestime. Moi je me surestime. Ouais, un petit peu. Ah! C'est toi la baleine. Oh. Une nouvelle liste. Une nouvelle liste de quoi? Non mais laisse-moi me rôle. Pourquoi il meurt? Il meurt en plein live, il meurt. Alors, Comment tu oses me mordre? C'est la première fois que une tu me nouvelle liste de quoi? Oh tranquille, elle a rejoint, parce qu'elle a quitté en plus.
elle nous lâche comme ça. C'est vachement pas sympa. N'hésitez pas à poser des questions sur Wartender. Ah, donc, ben, ouais. Aïe. Toi, tu m'as mordu. Ouais. J'ai la trace. Non, on voit rien. On voit rien. Non. Tant que ça saigne pas, c'est rien. Ça, c'est rien. Mais c'est rien. Mais. Et si on mais ils sont où? Mais ils sont où? Putain, je les vois pas. Oh! Wow! C'est alors Genji, c'est Elias, un pote que je connais depuis. Je vous le présente, voilà. Alors le mec, je vais peut-être poser la caméra. Ok, on voit pas ton gros front. Ouais. Alors okay, Genji, bon allez, bonne fin de journée. Bah, attends. Non, je prise, je dois appeler les services sociaux. Ouais, je pense. Alors, Elias, Genji, qui c'est Genji? Je vais vous présenter ce mec. Je le connais depuis la maternelle. Maternelle. Et on faisait un trafic. Pas de drogue, pas d'alcool, mais... De cerveau. Non, toujours pas. Pas un trafic d'organes, pas un trafic d'humains, mais un trafic de madeleine au chocolat. Derrière le cabanon à vélo en maternelle. Hein, on était en grande section. Hein. Voilà, mais de madeleine au chocolat. T'as pété. Non. Ah non. Si, t'as pété. Quoi? J'ai entendu t'as pété. Ah bah non, mais voilà, il a pensé aux madeleines, il a pété. Et sois pas tout rouge. Ah, il est tout rouge. Allez, cache-toi. Du coup, je disais de oui, donc à chaque fois qu'il parle de madeleine, il pète. Donc je disais banditisme que on faisait un trafic voilà. Ouais. Et comment il t'a grillé? Ah, vous avez pas entendu? Bah c'est le principal. Et on s'est jamais fait non, c'est pas moi. Bizarre ce pouf même, hein. Il est plutôt oui, c'est... Et en gros, Genji, enfin Elias, tu te présentes ce live. Normalement c'était un live gaming, mais on l'a remplacé parce qu'on a les 20 000 abonnés. Apparemment je suis sérieux. Hein. Salut. Thomas Doprochi Loco. Ok. Non, moi Thomas du 95. Ça sonne mieux là. Et c'est craqué la nuque. Ça a craqué. Toi tu pètes, moi je me craque. La meilleure équipe. Voilà. Depuis que t'as craqué, toi il y a plus personne qui parle là. Ouais. Mais je me suis démarré. Voilà. Voilà. Travail d'équipe. Attends, on va faire un travelling. Fais ton beatbox. Travail d'équipe. Ouais, mais là, il faut... Je l'ai moins fait. Et moins, hein. Et plus... Tu peux jouer à Warzone. Non, mais je préfère jouer à Wartender. Bon, bref, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Là-bas, on vous remercie encore une fois. Merci d'être passé. Je deviens fou. Qui me parle?
comment ça va? C'est Sly. Salut, c'est Greg. Salut, c'est Greg. Salut, c'est le fils de Greg. Qui est à la ref? Bon, ben, bonne journée à vous. Allez, au revoir. Et puis, bonne chance surtout. On va salut. Oh, je vais leur montrer le fond d'écran qu'on a. Attendez, juste deux spi. Donc, vous avez, voilà, ici. Donc là, on a ça. Si on enlève ça. Et beau le fond d'écran. Hein. Bon, là, vous avez toutes les applis. Donc on a la corbeille, TikTok Live Studio. C'est bien sûr pour faire des lives. Voilà. Ici on a Brave, ça je sais pas, Discord, bah logique. Bah ça c'est une Beers. On a Enlisted, un jeu que j'aime bien. War Thunder aussi. Q4 c'est pour installer des modes sur Minecraft. Et voilà. Un truc de poker parce qu'il est pas d'argent et que c'est un gros pauvre. Voilà. J'ai révélé des secrets, hein. Qui me parle? Qui me parle? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, je dis salut. T'en plein tous les deux. Salut. Voilà. C'est bon. T'aimes bien prendre par-dessus, toi? Mais par-dessous, je veux dire. Contre-plongée. Bon, allez, oui. On vous remercie d'être passé. Et puis, bonne journée à vous. Et puis. Et puis à bientôt, ouais. Pour de nouvelles aventures. Mais n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des propositions, des suggestions de sujets ou de partenariats. Voilà. Allez, salut. Allez, merci d'être passé. Et merci pour les 20 000. Merci. Salut. Salut. Hop. Bizarre ce mec.